L'année 2020 fut une année particulièrement difficile pour l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et particulièrement pour le PDCRDA, notre parti d'avant-garde. Alors, je voudrais profiter de cette année 2021, souhaiter les vœux de santé, de longévité, de paix, de cohésion autour du président Henri Kouna Bédié, notre guide, le socle, qui s'est battu vaille que vaille pour ne pas que le navire PDCI s'écroule. Je voudrais saluer avec déférence ce leadership éclairé de ce grand homme d'État. Je voudrais associer à ses voeux l'ensemble des militants et militants du PDCRDA. Les intrépides militants du Forum national du PDCRDA qui œuvrent à nos côtés à faire triompher les mots d'ordre de ce grand homme d'État, le président Aimé Henri Kouna Bédié. Je voudrais dire de tenir et de faire confiance à notre guide éclairé. Je voudrais associer à ses voeux tous les militants qui sont injustement incarcérés, les militants qui sont en exil, les plus juristes, à savoir le chef du secrétariat exécutif, le ministre Maurice Kakou-Guikaoui, et le maire Noël Akossi Bendio, mon bienfaiteur, mon mentor. Vivement, que 2021 voit leur retour dans leur pays natal, la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire au président Bédié que nous sommes à ses côtés, matin, midi, soir, pour faire triompher ses orientations et ses instructions. Je voudrais lui dire que le forum, sous mon leadership, sera toujours à ses côtés. Bonne, sainte, heureuse année à tous.